Ah, ça fait blablabla, comme ça on va retourner voir l'autre. Je vais refouiller toutes les maisons pour être sûr. Mais oui, je suis con. Il est là. Non, mais ça c'est l'hôtel. Mais... Ah oui, faut parler un peu à tout le monde. Voilà. Petit succès, c'est quoi? Ouais, c'est encore des types de bâtards de JRPG, ça. Voilà, c'est les pourfendeurs qui s'appellent le squelette de tout à l'heure. Ouais, c'est des succès que... voilà, quoi. Il va te faire foutre. Pour le 100%, quoi. C'est quoi ton problème? Tu vas refuser de faire ce que je te demande? Il est retourné chez lui à lui. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a des monstres géants en mer en ce moment. C'est dangereux et je tiens trop à toi pour te laisser monter à bord. C'est tout. Bon alors, on va lui donner cette lettre pour moi. Non, pourquoi est-ce que je servirais d'intermédiaire, mon rival? Oh, arrête de pernicher, tant pis alors. Vous alors, excusez-moi. Vous, vous voyez quelqu'un d'autre à part vous ici? J'aimerais que vous portiez cette lettre à Alfred pour moi, lui. On ne pourra pas lui donner si on n'arrive pas à traverser l'océan. Si vous acceptez, Max vous laissera monter sur son bateau. Tu es pas sérieuse? D'accord. Le problème c'est réglé. Le problème est réglé. C'est bon, Max? Je ne ferai pas. Tu plaisantes ou quoi? Tu veux dire que tu t'en fiches si ma lettre arrive à Alfred? Lia, non, je veux dire que ce n'est pas... C'est parce que... Alors, c'est quoi juste? Si tu continues à faire la tête de mule, je vais le faire toute seule. D'accord, d'accord, je vais le faire, c'est pas vrai. T'aurais dû accepter dès le début. J'aurais dû acheter des loupes. Bon, c'est à vous de jouer maintenant, assurez-vous qu'il les reçoive. Essayez de se faire entendre. Dites-moi quand vous serez prêt à partir. De toute façon, il y a une grande ville à côté. Oh le vieux Shinkadi, je me suis tapé quoi. J'aurais dû tricher dès le début. Bon, mettons les voiles. Et venez pas vous plaindre si on tombe sur des monstres. On va enfin pouvoir rejoindre le prochain saut. Oui. Je suis sûr que je serai obligé de monter. J'étais sûr que je serais obligé de monter sur un bateau un jour ou l'autre.
La mal des mers. On est en mer, en mer. Et comme il est tout petit, vous n'êtes pas qu'on passe par-dessus bord. Oh pardon, si mon bateau est trop petit pour moi aussi. J'ai tombé à l'eau. Merci Max, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai demandé à un navire militaire de mon costume, mais scopé, à bientôt. Désolé de t'avoir conditionné, c'est tout. Fais bien attention à toi durant le voyage de retour. Moi aussi. D'accord, allons chercher des indices à propos des prochains sauts. Bon, on peut pas dire, on est venu, est-ce qu'on peut traverser? C'est important. Que je peux pas passer comme ça. Eh, nique. J'ai pas ces problèmes là avant. Sur la version GameCube. Une rapière, l'argent blanc, de l'argent noir, chakra volant, hop, ça c'est bon. Un bâton de combat, je l'ai sur moi. Ça, on est bon. Et il faut de l'argent blanc. L'argent blanc, je suppose qu'on... Voilà. Et je suis un fils de con.
Oh, ça va être beaucoup mieux là. Je peux pas me permettre d'acheter la cuisine. Et j'avais pas le souvenir qu'il me gênait autant les persos. C'est reparti. Ah, pourquoi t'as fait ça? Oh, je suis désolé. Oh, la poisson de Palma que nous venons d'acheter. Eh, mademoiselle, c'est une poisson très chère. Comment penses-tu nous rembourser? Je vais acheter une nouvelle bouteille immédiatement. Une nouvelle bouteille? Je crois vraiment que ça va suffire à calmer ma colère. Oh, c'est bon, tu l'as vraiment l'air d'une mijole. Qu'est-ce que t'as dit? Tu sais qui nous sommes? Je pense que j'en ai à faire. Espèce de... Stop. Il faut partir aussi vite que possible. Ne recherche de... Ah, ne cherche pas de problèmes inutiles. Je suis d'accord. Une nouvelle potion... Une nouvelle bouteille me suffira. Bah... Je tire bien pour cette fois, sale gosse. Allez, va vite acheter la potion. Pas la peine de t'en faire, Colette. Non. Je les ai bousculés, alors je dois réparer les préjudices. Bien d'accord. Il tente de s'enfuir. Oh. Ah putain. Je crois qu'elle reste plus. On est plus tard. Génial. Marble. Oh, j'ai oublié ça. Oh, please! There's no way anyone would sell those to you at a price that low. You should be thankful that we're even willing to spend money for goods from a rundown shack like this. I don't need to hear that from a bunch of filthy designs. I'm not going to sell one single gel to the likes of you. Chocolat, stop! But Mom, these are the same monsters that took Grandma away. You've got some nerve talking to us like that, little girl. You keep that up, and we can't guarantee what'll happen to you or the city. Just try it. As long as Governor General Dor is around, we'll never submit to the likes of you. You little... Stop. We'll exceed our quota for this year.
We need permission from Lord Magnus to go any further. Depending on Lord Magnus's mood, you might or might not get to keep that pretty little head of yours. Well then, I'm off to work now. Fired. Take care. I apologize for what happened. I'm sure you were startled. Please, relax and take a look around. De poison. Oh putain, ça coûte cher. Ouais, c'est pas mal que cher. Que faire? Je crois pas qu'ils n'ont pas de l'argent sans elle. Désolé, c'est de ma faute. Vous avez besoin d'argent, les amis? Disons que plein de choses sont passées. Mais si c'est le cas, vous devez aller à la cafétéria de l'académie de Palma Costa. Et Christo cherche une serveuse. Oh, je vais bien faire ça. Ah putain. Oh, c'est vrai qu'il y a cette connerie. Gouverneur, je l'adore. Papa a été enlevé et conduit à la ferme. Il n'est pas encore revenu. Pourtant, j'ai bien été sage. Attends encore un peu. Je t'ai promis, tu te souviens, je sauverai tous ceux qui ont été conduits à la ferme même. Mais je me sens seul. Ne t'inquiète pas, père est l'ami de tout le monde en ville. Ma maman est morte d'une maladie. Mais ton papa doit encore être en vie. Je sais qu'il va revenir. C'est vrai? Oui, ils ont été capturés pour être défendus contre les gens. Je jure de les sauver. D'accord, j'attendrai là auprès de mon père. C'est gentil. Allons-y, Kia. Oui, père. Qui était-ce? Le gouverneur général d'or, il recrute des soldats pour résister contre les déviants. C'est un homme merveilleux. Après la mort de sa femme emportée par sa maladie, il a laissé seul sa fille Kia. Tant que le gouverneur général d'or sera là, nous ne le soumettrons pas au désert. Même si nous sommes conduits à la ferme humaine, d'or viendra nous sauver. Nous avons confiance en lui. Le peuple de cette ville est très fort. Ce Dor est vraiment un homme formidable. Oui, alors... J'ai des souvenirs de quelques scènes. Ça va être marrant. Alors ça, c'est l'église. Même pas. C'est l'université. Au fait, Janice, tu étais censé aller dans cette école, pas vrai? Ah oui, on m'a donné une recommandation. Toi, un gamin aussi jeune a été recommandé pour la grande académie Palma Costa. Il doit plaisanter, il m'a fallu 6 fois pour réussir à rentrer. Réussir l'examen d'entrée. Quoi? Ne donne pas que de lui, je Nice. Je connais même ses tables de multiplication. Ce n'est pas moins précis. Oh, il est haut niveau pour Yold. Qui se ressemble, s'assemble. Je suis sûr que c'est avant tout au même niveau. Quoi? Tu es minable comparé à Genis. C'est intéressant, veux-tu me défier alors? Tu vas le faire, pas vrai, Jenny? C'est facile à dire pour toi. Ah putain, je m'en rappelle, oui. Tu devras savoir que je suis l'étudiant le mieux noté de cette académie. Tu vas le regretter. Je vais préparer les questions. Putain, le meilleur noté, il s'appelle étudiant. Oh. Quand tu seras prêt, viens dans la classe qui se trouve au fond de notre premier étage. J'ai pas étudié récemment alors. Oui, faisons quelques révisions intensives. Les gens utilisés, c'est avec la classes. Alors. Et le cuistot est là. C'est fini pour faire des omelettes.
Ok, c'est pas une classe vide. Ah, ça c'est ok. Dis-moi, tu veux m'aider à servir le clan? Oui. T'as besoin d'explications? Non. Bon, voilà les clients. J'ai un souvenir de ce que c'était cette merde. 3 c'est du barbecue, 1 riz à l'oriental. 3 barbecue, 1 riz à l'oriental. Ok. 3 barbecue, 1 oriental. 3 barbecue, 1 oriental. Eh. Je finirai serveur. En vrai, je pourrais prendre une photo aussi en vrai. Hein. J'avais pas de téléphone portable. Enfin, si, j'en attends. Non, je n'en avais pas. Perso, j'en avais pas. Oh putain, c'était pour qui? Toi, c'est le barbecue. Je dis, j'ai une bonne mémoire, je veux bien m'en sortir et tout. J'avais oublié qu'il fallait se rappeler à qui te donner. Un curry sushan, deux riz oriental, deux thés. Curry oriental, deux thés. J'ai un gros doute sur la quantité. Toi, c'était le riz. Toi, c'était les deux thés. Ah! Bah, t'as dit un curry, connasse! Les deux curry? Oh ta merde. Un poisson grillé, trois curry, deux poissons grillés, deux anguilles. Oh, c'était trois curies, ce bâtard. Je change les manettes. Et l'autre, pour c'est le stick de la visée. Ce sera moins chiant.
Oh, ça va. Ah, une potion de palma gratuite. Et j'allais dire, putain, je vais me tuer. Bon, pendant que j'ai initié mon révision, vous pouvez tous en profiter pour étudier également. C'est l'occasion rêvée. Oh, pitié. Ouais, je vais faire de mon mieux. Bon propos, hein. Commencez par les nombres imaginaires. Oh non! Oh, les nombres imaginaires. Les I là, I carré égale moins 1. Oh non. Oh non. Bonne idée. Tu avais des problèmes avec ça. Question. Qu'est-ce que Yod a appris? Gardien. Question 2. Si on sortait d'Osa, à quoi correspondait la valeur de 9? La gravité universelle. Une iode. Je ne sais pas. Je crois qu'il est temps d'aller dans la salle d'examen. Je crois que ça va aller. Bon, que la compétition commence. Je ne vais pas perdre. Je te dis ce qui se passe. Dans un souci d'équité, j'ai préparé les questions. Asseyez-vous maintenant. Vous aussi, asseyez-vous et passez l'examen. Quoi, merci? Ben, t'as un cassier? Allez-y. Je vais annoncer les résultats d'abord. Le dernier est Yod Evening avec un 25. Wow, 25! C'est ta meilleure note, Yod. Félicitations. Popon. Le reste suit dans l'ordre. Colette. 210. Hein, ce n'est pas sur 100? Sur 400. Du coup, la note est encore pire que d'habitude. Kathos Orion, 380. Reine Sage, 400. C'est pas comme si on pouvait s'attendre à moins de la part du professeur. Maintenant, je vais annoncer les notes de Genesis et Matin. Matin Washington, 398. Génie sage, 398. La même note. C'est pas possible. Ah, j'ai joué sur Yod. Mince. C'était pas long. Je n'ai pas le choix. Je suis désolé de m'être moqué de toi. Non, tu as Farmada aussi. Merci. Je veux dire que Génie, c'est doit être vraiment impressionnant. Lui, il est meilleur pour son âge. Ce n'est pas étonnant qu'il ait reçu une recommandation pour notre école. Et alors, est-ce que tu veux rester avec nous pour étudier ici? Oui, vas-y. Tu auras sûrement le plus grand génie qui ait connu cette école. Ouais, génie. C'est normal que tu veuilles rester. Enfin, je veux dire, tu devrais rester ici. Non, non, il vient, c'est le meilleur mage du jeu. Nick, hein. Parce que c'est le mage du jeu que j'ai. Non, je pars avec vous. Je retournerai à mes études quand le monde sera trouvé la paix. Tu es sûr? Tout à fait, je te l'ai dit, je ne lâcherai pas. Ouais. Alors, je vais te donner un certificat pour entrer à l'académie. Reviens quand une fois ton périple sera achevé. D'accord. Moi, Marche, j'ai été novice au temple de Martel. Bien sûr que je me souviens de vous. Je suis content de vous revoir. Vous êtes...
Oui. Depuis que la tour de salut est apparue, nous attendons avec impatience l'arrivée à l'élu. La légende de Spiritua et vous sera sûrement utile. Spiritua a fait son premier serment ici même, vous voyez. Oui, c'est vrai. La légende de la régénération de cette époque a été narrée dans le livre de la régénération et offerte à la famille royale de ce livre, cite les emplacements de chaque sceau. C'est ça, ça va être un jeune enfant de trouver les sceaux dans ce livre. Et où se trouve la ligne de la génération? Il est actuellement entre les mains du gouverneur général d'Or. Merci, nous allons lui rendre visite immédiatement. Oh putain. Ah mais oui, elle est là, Chocolat. Oh, vous étiez dans le magasin tout à l'heure, pas vrai? Je suis désolé de ce qui s'est passé, je travaille ici en tant que guide pour les pèlerinages organisés. Ah, t'en fais pas, ça va aller pour toi? Ces types n'hésiteront pas à détruire toute la ville. Je ne sais pas ce qui se passe, cette zone est sous le contrôle de Magnus de la ferme à l'Est, mais ils ont atteint leur quota de morts le mois dernier. Nous sommes tranquilles jusqu'à l'an prochain. Alors, cette ville n'a pas signé de traité de non-agression. Isselia est le seul endroit où il y a un traité en... où un traité soit en vigueur. Nombreux sont ceux qui l'envient, mais pour ma part, je veux rien à faire avec les désirs. Ce qui signifie que tu vis en permanence dans la crainte des désirs. Ce que j'ai fait n'a pas d'importance, tout le monde vit dans la crainte des désirs. En outre, le gouverneur général d'Or organise la distance pour combattre les désirs. Il s'en débarrassera vite fait. En plus, j'ai entendu dire que l'élu du mana a entamé le périple pour la génération du monde. Oh oui. Attendez ici jusqu'à ce que l'élu nous sauve, d'accord? Et si c'est nous? D'accord, je vais faire ça. Mais Dieu. Colette, elle ne se rend pas compte que tu es l'élu. Alors, pendant que nous attendons la régénération, je vous recommande de suivre les instruments de Martel et de faire un pèlerinage. Le prochain est complet, mais voulez-vous inscrire pour le suivant? Vous êtes gentil, alors. Je vais vous faire bénéficier du tarif préférentiel. Je crois qu'il ne reste pas d'autre choix que de chercher les sceaux par nous-mêmes. Je crois que nous ferons mieux de trouver le livre de la génération. Ren, tu sembles plus intéressé par le livre lui-même par son impression des sceaux. Bon alors, allons voir le gouverneur général. Oui. Bonjour voyageur. Nous vous souhaitons la bienvenue comme le recommande Martel. Que la bénédiction de Martel accompagne votre périple. Ah merci, au fait... Nous cherchons un objet appelé le livre de la régénération. On nous a dit à l'église qu'il était ici. Quoi? C'est le livre de la régénération, cervelle de pigeon. Oui, je le sais. Bon, c'est ce qu'il vient de dire. Le livre de la régénération? Oui, c'est notre trésor familial. Qu'est-ce qu'il y a? Nous souhaitons vous l'emporter. Quel sens de donner ça? Pardon, c'était un polynosaure. Ah, nous aidons l'élu dans son périple pour la régénération du monde. Pour le bien et l'avenir du monde, nous souhaitons connaître le chemin de Spiritua. Gouverneur général d'Or. Oui. L'élu vient passer un instant. Comment osez-vous usurper son nom? Qu'on arrête ces criminels et qu'on les remette à l'église de Martel immédiatement. Ah ouais. Wow, père, vous avez vu? Elle a des ailes, on dirait un ange. Comme c'est joli. Ah. Attendez, Zelda, rangez vos armes. Ça nous va comme toutes les lieux du mana. Ah bah allez, avec les ailes... Il n'y a pas d'erreur possible avec ces ailes d'ange dans le dos. Pardonnez notre insolence, élu. Ah ouais, c'est pas grave. Ça va aller. Tout le monde me dit que j'ai pas l'air d'une élue. Mais alors? L'élue à laquelle nous avons donné le livre de régénération était un imposteur? Attendez une minute. Vous avez parlé d'une élue... Vous êtes déjà venu ici? Vous avez donné le livre de la génération? Il y a un moment, l'élu du mana est venu et nous a demandé le livre de la génération. Nous avons reçu des informations annonçant l'arrivée du groupe de l'élu dans la région. Et nous avons tout naturellement pensé que c'était eux. Vous êtes débile ou quoi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je suis sincèrement désolé. J'arrive pas à y croire. Vous avez des yeux, non? Pourquoi ne pas vous en servir? Ils sont juste là pour décorer? Ou les humains? Ça suffit.
Vous ne savez pas du tout ce qu'il disait à ce livre, je parie. Eh bien, non. En outre, il était écrit dans la langue des anges. Alors seuls les religieux peuvent le lire. Je crois qu'il ne reste plus que d'autres choix. Je crois qu'il ne reste pas d'autre choix que de chercher les sceaux par nous-mêmes. Très bien, alors allons-y. Ça va, je sais où ils sont. Voilà, j'ai bien l'impression de Palma. Très bien, on dirait que vous êtes des gentils garçons et des gentilles filles après tout. Retenez bien les leçons et ne recherchez plus d'histoire. Oui, je ferai plus attention. Allez, on y va. Je dois avouer que le gouverneur d'or est bien crédible. C'est incroyable qu'il nous ait remis un trésor familial sans poser de questions. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Et quel idiot, on n'a qu'une utilité de ce truc. On n'a qu'à aller le vendre à ce type au pic et... Aconesia qui achète toutes les virées. D'accord, allons-y. Et là, vous pouvez pas les arrêter. Et je suis désolé de vous avoir causé des problèmes. Et attends une minute. Il vient de parler du commandant général d'or. Vous pensez que ça pourrait être? En effet, on peut en conclure, ce sont les imposteurs. Comment peux-tu dire ça aussi calmement? Pourquoi en avoir un diamant? Je crois que tu jouais leur jeu et que tu les suis pour les rattraper plus tard. Ce n'est pas pour ça qu'il les a laissés partir. Quoi? Bien sûr, c'est bien mon plan. Je crois que j'avais tort. On dirait bien. Quoi? Ces gens étaient des imposteurs? Qu'est-ce que t'es bête alors, Yod? Tu ne t'es pas rendu compte non plus. Je m'en demande où nous y aller. Ils ont parlé du pic d'Aconesia. Allez, on les suit. Sur la maman. Lloyd, you need to remember that enemy's weakness. Ok, t'as déjà fini de manger? C'est pas bien. Non, c'est pas ça, je me disais juste qu'il y a trop à manger. Vraiment? Pourtant, on dirait que t'en as moins que d'habitude. Ah, ne vous inquiétez pas, je vais finir mon assiette. Oh, les petits tips de ce qui se passe vraiment. J'ai un doute. Si on l'avait, bah au doute, je m'en fous. Claude, tes coups ont changé dernièrement. Hein? Bah maintenant tu manges ces espèces de poivrons verts alors que tu détestais ça. Eh bien, je l'ai trop pris aussi amer qu'avant. Oh, tout ça indice. Tu commences à avoir des goûts d'adulte. C'était très bien. Si tu savais...
go. All up there. Angel feathers! Are you okay? Are you stuck in my way? Ready? Lloyd, you need to remember that enemy's weakness. Oh, nous recevons de très rarement des visiteurs. Puis-je vous aider? On ne sait pas bien. Oh, on ne se fait que passer. Vous êtes en pèlerinage? Nous voyageons pour étudier les animaux du monde. Je suis zoologiste. Vraiment, c'est un drôle de métier par les temps qui courent. Ah. Voyager en quête de connaissances, c'est merveilleux. Ah, j'aime juste observer les différentes espèces. On a même vu un oiseau géant qui brillait. Un oiseau qui brillait? C'est peut-être Aska, l'esprit originel de la lumière. Vraiment, cet oiseau serait un esprit original? Je vois. Ça expliquerait pourquoi je n'ai encore jamais vu cette espèce avant. Parlez-nous de la fois où vous avez vu. Cette information pourrait peut-être nous aider en plus si je veux entendre cette histoire. Dans ce cas, je pense qu'il vaut mieux que vous posiez la question à mes enfants. En fait, je n'ai pas bien vu l'oiseau. D'accord, je vais en reparler. Vous savez, ce jour-là, j'ai cueilli les noix sur l'arbre. Ça produit un joli son. On peut voir? Alors, ceci est une noix de l'Inquité. Elle produit vraiment un joli son. Je vous donne celle-là, j'en ai d'autres. Merci beaucoup. Alors, continuons en détail la fois où vous avez vu l'oiseau doré. Oh, c'était au sentier d'Ossa, nous campons près du pic et cet oiseau qui buguait est apparu. Le sentier d'Ossa? Le vent soufflait également très fort ce jour-là. Un arbre tout proche a produit une mystérieuse mélodie car le vent secouait les noix. Comme une douce balade. Les noix de l'arbre jouaient une mélodie. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Probablement l'arbre de l'Inquité dont on dit qu'il pousse en altitude. On raconte que lorsque ces noix sont secouées par le vent, elles produisent une musique. C'est pas que... C'était un arbre comme celui-là. Mais ça veut dire qu'on peut rencontrer Aska en allant au sortir de ça, non? Non, l'arbre qui n'est plus là. Soit quelqu'un l'a abattu, soit on l'a emmené. Soit il a été emporté par un glissement de terrain ou autre. C'est vrai qu'on n'a pas vu d'arbre comme ça quand on était là-haut bas. La souche du pic était peut-être ça. Nous avons parcouru le monde entier, mais... Nous devons encore revoir cet arbre. On pense que cet arbre n'existe plus à cause de la culture intensive et des catastrophes naturelles. Je ne crois pas qu'il soit facile à en trouver. Oh, vous êtes? Bien sûr, c'est ça. Tu la connais, Yad? Elle nous a aidés quand nous étions que tous les deux. Ah, merci du fond du cœur. Vous êtes occupé de ces gamins. Ce fut un plaisir. Ça, on a besoin d'un renseignement. Savez quelque chose sur l'oiseau doré, on aimera savoir plus. J'imagine que cet oiseau peut se trouver dans les montagnes imprenables qui sont impossibles à atteindre à pied. Pourquoi ça? Nous avons parcouru tous les endroits accessibles à pied. Si on avait eu un de ces endroits, je pense qu'on l'aurait vu.
je vois. Je vais faire court, en résumé, les conditions dans lesquelles ils ont vu l'oiseau doré. D'abord, il se trouvait dans le dessous de ça. Cela implique que l'oiseau doré n'apparaît que dans les lieux en latitude. L'arbre a quitté les nains. Pour ce final-là, ce sont... Je suis impressionné par votre capacité de discussion. Mais c'est tout ce qu'on sait. C'est pas facile de voir Asuka. Eh bien, je suppose que oui. Je suis permis de noter les informations que vous avez rassemblées. N'hésitez pas à venir si vous voulez les consulter à tout moment. Bon, c'est vraiment pour beaucoup plus tard cette connerie. Hein. Mais quoi? On ira plus tard pour une certaine raison. Ah, bon. Okay.
Demon Fang! Tiger Blade! Hit! Barrier! Beast! Sword! Alright! Reinforcement! That was just warming up. Alors on néglige pas lors des entraînements. Enlevez pas de ce. Enlevez cette patte de là. Je vais chercher à laisser passer. C'est. Combien de choses par personne. Quoi? C'est quoi ce bruit démesuré? C'est du vol? C'est un jeune homme. Au cas où vous ne le seriez pas, je hais les gens. Ce qui veut dire que même ceux qui font un pèlerinage avec l'église de Martel ne vont pas plus loin. Au ciel, quelle beauté! Si vous faites un pèlerinage, vous devriez vous inscrire à la visite des ruines d'Asgard à l'agence des Palma Costa. Ah, vous êtes de mèche avec l'agence du voyage? Voilà, ferme. Si vous n'avez pas d'argent, allez-vous-en ici. Et cette écriture est très ancienne. Oh, belle jeune fille, quel œil de lynx. Ça, c'est un objet que j'ai acheté à l'élu du mana. C'est un document écrit très rare qui raconte les légendes de Spiritua. Je connais. Je voulais m'approprier depuis des années. J'étais sur le point d'abandonner l'idée que Dor puisse le céder. C'est un énorme coup de chance que l'élu elle-même ait voulu s'en séparer. Nous devons le prendre, laissez-nous au moins jeter un coup d'œil. Vous voulez rire? Pourquoi je devrais vous le montrer à vous? Oh allez, Colette, elle... Tais-toi, c'est nous qui nous allons traiter d'imposteurs. Il y a des ailes d'ange. Et l'élément central de notre groupe, c'est elle qui est fan de l'élu. Elle souhaite voir des objets ayant appartenu à lui. Scolette est une fervente adepte à l'église de Martel et elle connaît la langue des anges. Ah oui, c'est vrai que j'ai dû l'apprendre depuis que je suis toute petite. Eh bien, si c'est important pour vous, jeune fille, Pure et la beauté peuvent la consulter. Plus que tout au monde, je veux la statue de Spiritua, exposée à la maison de salut. Si vous me l'apportez, je vous montrerai le livre. Qu'il a à voir, comme si ça coûtait quelque chose de lui montrer tout simplement. Bouclez-la et allez jouer ailleurs si vous n'avez ni l'argent ni la statue. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, vous ne savez pas? Vous ferez mieux d'attendre ici un moment. Quoi qu'il arrive, vous devez éviter Palma Costa. Il se passe quelque chose à Palma Costa? Il semble que des gens sont en route pour vers Palma Costa. Quoi? En outre, j'ai entendu dire que le chef de la ferme humaine voisine Magnus les accompagne. Magnus? Je vais attendre ici que les choses se calment. Vous devrez suspendre votre pèlerinage à un moment vous aussi. Il se passe un truc.